Ông quỳ cho. Ông chúng tôi đã cả hầm to cái tầm ra ca để tìm xâm ra ca. Xâm ra ca là thằng này, ông bè thưa xâm ra ca. Đập để giải thán bật bằng chọc cách vì phía ta đánh đó lưu tầm nông rừng xôn xôn phì xôn 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 phì. Hơi nơi thằng này nâng bắt đầu thưa đời cổng mệt vì ca phía đầy lục khiêu xâm phòn. Cả làm chi xâm ra ca. Lục em hỏi là rì ca bì giải thán đập hiệp vật tầm miền áo vật tầm miền phía ký nâng bậc cổ để ông bè có hẳn chưa nhà chỗ rùm được nông cách tầm ra ca xâm ra ca thằng này nì. សូមគោរពលោកប្រធានសម្រាប់សវនកម្មនៅថ្ងៃនេះក្រុមជីកត់សម្គាល់ឃើញថាគ្រប់ភាគីទាំងអស់នៃរឿងក្តីនេះមានវត្តមានលើកលែងតែលោកពេជ្រអង្គសហមេធាវីនាំមុខតំណាងដែលមិនដឹងរត់នេះអវត្តមាននៅពេលព្រឹកនេះដោយមូលហេតុតក្លួនឥឡូវលោកនួនជាមានវត្តមាននៅបន្ទប់ឃុំខ្លួនខាងក្រោមសាលសវនកម្មនេះដោយលោកស្នើសុំលះបង់សិទ្ធិមានវត្តមានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់សវនកម្មនៅថ្ងៃនេះ លិខិតលះបង់សិទ្ធិរបស់លោកនួនជាបានប្រកាសដល់កលាមជីរួចហើយសូមអគុណលោកទេអគុណជាតំបងនេះអញ្ញមរះសម្រាប់លើសំណើសុំរបស់ជនជាប់ចោតនួនជាជាមុនសិនអញ្ញមរះបានទទួលលិខិតសូមលះបង់សិទ្ធិចូលរួមសកម្មភាពនេះរបស់ជនជាប់ចោតនួនជាចុះថ្ងៃទី10ចុះថ្ងៃទី20ខែមិថុនាឆ្នាំ2017ដែលបានបញ្ជាក់ថាដែលគាត់មានបញ្ហាសុខភាពគឺក្បាលឈឺចង្កេះមិនអាចអង្គុយយូរបាន មិនអាចផ្ចង់អារម្មណ៍បានយូរនឹងដើម្បីមានលទ្ធភាពចូលរួមសកម្មភាពនេះថ្ងៃខាងមុខអមមានប្រសិទ្ធភាពខ្លួនធំលះបង់សិទ្ធចូលរួមនឹងមានវត្តមានដែលផ្ទាល់នៅក្នុងបន្ទប់សកម្មភាពនៅថ្ងៃទី20ខែមិថុនាឆ្នាំ2017បានឃើញកំណត់ហេតុពិនិត្យសុខភាពជនជាប់ចោតនួនជាដែលធ្វើឡើងដោយគ្រូពេទ្យប្រចាំការពិនិត្យព្យាបាលថែទាំសុខភាពជនជាប់ចោតនៅអវតកចុះថ្ងៃទី20ខែមិថុនាឆ្នាំ2017បានកត់សម្គាល់ពីស្ថានភាពសុខភាពរបស់ល
Finalement, ce deuxième procès est moins intéressant que le premier. Et pour cause. Que Sampan, Nyon Chua ont déjà été condamnés à perpétuité. Les Khmer Rouges ont été condamnés. Le Kampuchea démocratique a été condamné. Et le PCK a été condamné. Le symbole a satisfait tout le monde. Je ne doute pas, Monsieur le Président, que d'ici quelques mois, il y aura de nouvelles accolades dans les couloirs de ce tribunal pour se féliciter de cette nouvelle condamnation. On aura eu à nouveau le sésame d'une nouvelle perpétuité. On va se féliciter, comme lors du procès 2-1, de cette victoire de la lutte contre l'impunité. Parce qu'il y aura eu le sésame que tout le monde attendait, la condamnation à perpétuité. Alors on va certainement faire une grande campagne de communication en alignant les chiffres, les statistiques, le nombre de témoins, le nombre de jours d'audience. On va faire de jolis graphiques en couleur, comme un peu ceux que l'on a distribués au public avant qu'ils entrent dans cette salle d'audience. On aura tout ça. La vraie question qu'il convient de se poser quand même aujourd'hui, parce que nous arrivons au terme de ce procès 2, et comme il n'y aura pas d'autre procès, vient l'heure du bilan. Avons-nous vraiment des raisons de nous féliciter de ce qui s'est passé dans cette salle d'audience? Est-ce que la juridiction des CETC a été à la hauteur de sa tâche? Parce que, comme je le disais, c'est l'heure du bilan. Ce bilan sur ce procès dont on connaît déjà l'issue, sur ce procès dont les règles ont démontré au fil des audiences à quel point il était biaisé, est-ce que vraiment on peut s'en prévaloir comme un modèle pour le monde et pour le Cambodge en particulier? J'en parle, Monsieur le Président, Monsieur de la Chambre, parce qu'on nous parle beaucoup de l'héritage judiciaire des CETC. Je crois même qu'il y a des réunions régulières à ce sujet. Et quand on fait une analyse finalement de ce qui reste des principes de droit et de la procédure tels qu'ils ont été appliqués et interprétés devant cette juridiction, on peut vraiment s'interroger sur la qualité de cet héritage. Alors oui, je sais, j'entends déjà les mauvaises langues parler, mais qu'est-ce que la défense vient encore nous embêter avec ces problèmes de droit et de procédure? Je suis consciente que, comme M. Kyo Sampan en est conscient, que le fait de parler en défense des règles de procès équitable n'a que peu d'écho dans le public. Et parfois même, n'a que peu d'écho devant la Chambre, celle-ci ou celle de la Cour suprême. Alors pourquoi est-ce que la défense vient nous rabattre encore les oreilles avec le fait que des juges aient dépassé le champ de leur saisine ou que le principe de l'égalité a été ignoré? Après tout, qu'est-ce que la procédure pénale? Qu'est-ce que le principe de l'égalité face à la gravité des crimes pour lesquels les accusés sont poursuivis et face aux souffrances de la population? Pourquoi est-ce qu'on vient encore nous ennuyer avec ces questions techniques? Puis après tout, ils ont quand même du culot, ces Khmer Rouges. Est-ce qu'il y avait un procès équitable sur le Kampuchea démocratique? Ils devraient bien être contents déjà d'avoir des avocats. Alors, à ces gens-là, je réponds, un procès équitable, ce n'est pas seulement d'avoir des avocats en robe dans une salle d'audience. Vous pouvez nous agiter, nous égosiller,
pour notre client, si les règles de sont biaisées, ou si elles sont mal interprétées, ou si elles sont étendues de façon indue, ou si elles sont systématiquement déformées à charge. Alors on aura eu que l'apparence d'un procès équitable, mais pas un procès équitable dans les faits. Le droit est un procès équitable dans les faits. Le droit, d'abord le droit. Mais dans cette enceinte judiciaire, et ça a été très vrai au cours de ces derniers jours, normalement, nous devrions, juristes, professionnels du droit, à la différence des profanes qui ne savent pas trop comment les choses doivent se passer, nous devrions nous savoir que quand même, le droit, c'est la première chose, c'est le fondement. Le droit dans cette salle doit avoir une signification. La procédure pénale, ça doit vouloir dire quelque chose. Alors oui, discuter des principes et de leur application, des questions fondamentales, et notamment celles qui ont été soulevées par la défense, notre défense, la défense de Cusson-Pan dans mémoire finale, ça devrait être une question fondamentale dans cette enceinte. Et pourtant, Monsieur le Président, alors c'est vrai, comme le disait Monsieur le procureur international lors des audiences d'appel, le droit c'est compliqué. C'est compliqué, surtout le droit international, parce qu'il y a de multiples sources de doctrine, de jurisprudence. Il y a des notions complexes à manipuler. C'est vrai que le droit, ça peut être abrupt. Ça peut être rébarbatif. Il y a des choses à détricoter. Il y a de la jurisprudence à décortiquer. Et ce droit, devant les CETC, il est d'autant plus complexe que nous sommes 40 ans après les faits et qu'en plus, il faut faire cet exercice supplémentaire de se projeter en arrière et de se rappeler quelles étaient les règles applicables à l'époque des faits. Parce que le droit, tel qu'il existait à l'époque, il n'est pas aussi développé que celui d'aujourd'hui. Alors c'est vrai, le droit c'est compliqué, et le droit ça ne permet pas toujours de faire des petites phrases dans la presse. C'est moins accrocheur qu'un montage vidéo ou des graphiques en couleur, ça je vous l'accorde. Monsieur le Président, Messieurs du Tribunal, le droit, c'est ce qui fonde la légitimité de ce tribunal, de cette enceinte de justice. Il ne s'agit pas simplement d'être dans une salle d'audience où on ouvre les rideaux sur un spectacle. Nous sommes une cour de justice. Et autant que nous sommes, nous contribuons normalement à l'œuvre de justice. Et c'est de ce droit que les chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens sont nées. Et c'est ce même droit qu'elles sont censées appliquer et dont normalement nous devrions être en train de discuter. À commencer par l'accusation. L'accusation qui a la charge de prouver les crimes en fonction des faits dont la chambre est saisie, au-delà de tout doute raisonnable. Mais devant cette chambre, devant ce tribunal, on a tellement pris de liberté avec le droit qu'on arrive à la situation extraordinaire où la procédure pénale, elle devient optionnelle. Et puis parler de droit, ça devient presque une anomalie. La démonstration la plus parfaite de ce que le droit importe peu, c'est ce que j'ai entendu pendant deux jours du côté de l'accusation. Les réquisitions des procureurs. Et je dois reconnaître, Monsieur le Président, Monsieur le Tribunal, que j'ai été déçu parce que je m'attendais à autre chose qu'une super audience de documentaire. Alors oui,
Il y a eu des montages d'auditions de témoins et de parties civiles que vous aviez déjà entendues. Mais surtout, on vous les a montrés en prenant garde de ne absolument pas noter les contradictions qui ont été soulevées au cours de la procédure ou au cours des écritures des équipes de défense. Comme s'il n'y avait jamais eu d'interrogatoire de la défense. Comme si les débats qui ont eu lieu devant cette chambre n'avaient jamais eu lieu. Et puis comme si non plus, il n'y avait pas des choses qui avaient déjà été tranchées dans le procès de l'an. Et comme l'a noté hier mon confrère Victor Copé, je m'attendais à autre chose. Pourquoi ? Parce que les procureurs, quand il y a eu des écritures pour repousser la date du début de ces plaidoiries, avaient expliqué qu'ils avaient, comme la défense de Que Sampan, la position selon laquelle les plaidoiries, c'était essentiellement pour répondre aux écritures adverses. Et pour cause, dans le cadre de la procédure devant les UTC, les parties, accusation, défense, déposent leur mémoire en même temps. Ce qui veut dire que les plaidoiries, c'est le dernier moment où on peut répondre à la partie adverse. Alors oui, je sais qu'il va y avoir un temps de réplique. Mais normalement, les répliques, c'était les répliques aux réponses qui étaient apportées dans le cadre des plaidoiries. Nous n'avons pas eu ça dans les répétitions de la réponse. Ou si peu. Et pour moi, cela dénote que finalement les procureurs ont une position un peu arrogante quant à l'issue de ce procès. Ça a été également relevé du côté de l'équipe de Nantes-Cher. Ils ont l'arrogance de penser qu'ils peuvent se dispenser de prouver leur thèse. Comme s'il y avait une inversion de la charge de la preuve. Il y a, de leur côté, en tout cas c'est ce que j'ai ressenti en écoutant leur réquisition, et en lisant leur mémoire finale, la certitude que quoi qu'ils fassent, en l'occurrence quoi qu'ils ne fassent pas, les dés sont jetés. Leur thèse va forcément prospérer. Et quelles que soient les failles de leur argumentation, quelles que soient les failles de la preuve, quelles que soient les libertés prises avec les règles élémentaires du procès, de toute façon, il y aura une condamnation. Et la thèse va forcément prospérer. Alors se pose la question de rôle de la défense dans cette situation. Quel est notre rôle à nous dans un procès où tout est joué d'avance ? Eh bien, le rôle, c'est un peu celui que nous avons décidé de prendre et d'avoir dans le cadre de nos écritures finales, c'est-à-dire rappeler quel est le droit, quelles sont les règles applicables, ce que vous pouvez faire, ce que vous ne pouvez pas faire et ce que l'accusation n'a pas fait. J'ai commencé mon propos, Monsieur le Président, Monsieur le Tribunal, en vous rappelant que M. Que Sampan va mourir en prison. Et au-delà de la phrase choc, l'idée de vous dire, l'idée de vous faire comprendre que tout ce que nous allons dire, mon confrère Que Sampan et moi-même, aujourd'hui et demain dans le cadre de nos plaidoiries, c'est absolument pas pour avoir une idée d'une peine moindre. Notre client est déjà condamné à la perpétuité. Mais il était nécessaire. Il nous était apparu nécessaire. Même si nous ne faisons aucune illusion sur le verdict à venir, de faire ce que les procureurs n'ont pas pu faire, de faire ce que les procureurs auraient dû faire, à savoir faire le tri dans tous les faits que vous avez entendus dans le cadre de ce procès. Et quand je dis ce que les procureurs auraient dû faire, c'est déjà le principe. Un tri dans les faits qui vous ont été présentés. Un tri que les procureurs
ont soigneusement évité de faire. Nâng quát pô chê thần nám ân chong nhêch ân hét ân đạch chê mật ông. Parce qu'ils ont présenté leur mémoire un peu comme ils ont présenté leur réquisition. Ils ont commencé par parler de la responsabilité. Donc en gros, dans leur vision, c'est qu'ils sont coupables de tout. Et puis voilà quelques témoignages pour illustrer les crimes. Ce n'est pas comme ça que ça doit se passer. D'abord, de quel fait êtes-vous saisi? C'est quand même la première question qu'on doit se poser. De quel fait? Je ne parle pas des qualifications juridiques. Je parle de quel fait. Et c'est ensuite, à la vue des faits dont vous êtes saisi, que l'on va sur la qualification juridique. Mais l'accusation ne s'embarrasse pas de ce petit détail, après tout, ce n'est que de la procédure pénale. Alors je vais commencer par un premier fait qui va peut-être être choquant pour certains, mais que son père n'est pas revoyé devant cette chambre pour tout ce qui s'est passé au Cambodge entre 1975 et 1979. Il n'est pas renvoyé pour tous les faits qui se sont déroulés sur l'ensemble du territoire du Cambodge entre 1975 et 1979. À la lecture du mémoire de l'accusation, ce n'est pas toujours si clair. Et pourtant, l'ordonnance de clôture qui vous saisit, elle a limité géographiquement et temporellement les faits relatifs aux crimes qui ont été évoqués. Et là, on touche au cœur du problème que nous dénonçons depuis le début dans le procès nous l'avions déjà fait, à savoir que tout le monde, depuis les juges d'instruction, en passant par les procureurs et même en passant par vous, messieurs de la Chambre, monsieur le Président, tout le monde est tellement dans la volonté de condamner un régime qu'on en finit même par oublier quelles sont les poursuites exactes contre M. Fusson. Alors, humblement, notre travail en tant qu'équipe de défense, notre rôle dans cette salle d'audience et également le rôle que nous avons essayé de tenir pendant ces années d'audience, pendant ces longs mois, ces longues semaines, nous avons interrogé, nous avons présenté un certain nombre de documents. Notre rôle aujourd'hui, Monsieur le Président, Monsieur le Tribunal, c'est de rappeler que le symbole ne doit pas l'emporter sur les principes. Et qu'un procès pénal, c'est d'abord et avant tout l'application stricte du droit. Et que la rigueur, elle s'impose, même face à la gravité des crimes que vous aviez à juger. Et là, pour illustrer un petit peu les écueils qui se sont présentés dans le cadre de cette procédure, dans le cadre de ce procès, je repense à une jurisprudence du tribunal pour l'ex-Yougoslavie. C'est le jugement Perlich, où il y a une très belle citation au paragraphe 2 du jugement qui dit ceci, je cite: la narration historique relève en premier lieu du travail des historiens. Et le procès pénal, de par ses exigences et ses contraintes, ne peut satisfaire pleinement les besoins de l'histoire. La Chambre a pour sa part la tâche principale de se prononcer sur la responsabilité pénale de six hommes sur la base de faits et d'allégations particulières. Fin de citation. Voilà, Monsieur le Président, Messieurs le Tribunal, dans ce procès, voilà votre tâche. Vous avez pour tâche principale de vous prononcer sur la responsabilité pénale de deux hommes sur la base de faits et d'allégations particulières. Et là, il me faut adresser un malentendu que l'on a souvent en termes de justice pénale internationale dans ces procès où on rend la justice au nom de l'opinion internationale, au nom de la communauté internationale. Une précision,
Dans cette salle, il y a un seul organe qui est chargé de lutter contre l'impunité, c'est l'accusation. Ce sont les procureurs. Vous, Monsieur le Président, Messieurs les tribunaux, votre rôle, c'est de juger de la façon la plus impartiale possible en faisant une application stricte de la loi pénale. Il ne faut pas se perdre. C'est ça votre rôle, juger en toute impartialité et dire le droit. Alors, je vais faire un exercice pédagogique et un rappel de la procédure. En français, il y a une expression qui dit le b-a-ba de la procédure, la base. Quel est le fondement d'un procès pénal? La première question qu'il y a dans un procès pénal, c'est de savoir quelles sont les accusations portées contre les accusés. Et ce sont ces accusations, et seulement celles-là, auxquelles ils doivent répondre. Ni plus, ni moins. Et dans le cadre de TCC, comme en droit cambodgien et comme en droit français, la portée de ces accusations, elle est initialement déterminée par l'accusation. C'est l'accusation qui prend un réquisitif introductif, éventuellement des réquisitoires supplétifs. C'est elle, l'accusation, qui détermine la portée du procès. Ensuite, il y a une saisine des juges d'instruction, mais uniquement sur les faits qui ont été mentionnés dans les réquisitoires. Et uniquement sur ceci. Et ensuite, le juge d'instruction, ils sont chargés de renvoyer, devant vous, de renvoyer devant la Chambre, sur la base de ces faits-là, uniquement de ces faits-là. Et une autre précision importante, la Chambre a saisie des faits. Ce n'est pas de la qualification juridique. Les juges d'instruction peuvent dire qu'il y a eu un meurtre au terme de leur qualification juridique, il y a eu génocide, il y a eu persécution, etc. Ils peuvent prendre cette qualification, mais c'est sur la base de faits qu'ils ont précédemment développés. On ne peut pas aller directement vers la qualification juridique et dire qu'on se contente de la qualification, un peu comme l'ont fait les procureurs. Et la Chambre, elle est saisie des faits et non des qualifications juridiques. Mais si la Chambre veut requalifier les faits, elle doit premièrement prévenir les accusés pour qu'ils puissent se défendre sur cette nouvelle qualification. Et deuxièmement, elle ne peut pas introduire de faits nouveaux sous couvert de requalification. Alors pourquoi, à ce stade des plaidoiries, pourquoi ce rappel de ces éléments élémentaires de la procédure pénale? Et parce que Tout au long de ce procès, et c'était particulièrement révélateur dans le mémoire et de l'accusation et parfois aussi des parties civiles, l'accusation et les parties civiles veulent vous faire statuer sur des faits dont vous n'êtes pas régulièrement saisi, sur des faits pour lesquels les accusés ne sont pas poursuivis et auxquels ils n'ont pas répondu. Et ça a encore été flagrant à l'audience pendant ces jours de réquisition et plaidoiries. Alors c'est vrai, ça je le dis très volontiers, c'est vrai que l'ordonnance de clôture qui vous a saisi est un fouillis de fait. Il y a un fouillis dans cette ordonnance de clôture. Et c'est vrai qu'il y a une démarche pour bien être sûr qu'on ne dépasse pas la saisine des juges d'instruction et de la Chambre. Et je dois dire que c'est bien dommage que l'accusation n'ait pas essayé de mettre un peu d'ordre dans ce fouillis. Peut-être que finalement ça l'arrangeait de pouvoir mettre un tas de faits dont elle savait que les juges d'instruction n'étaient pas saisis, dont elle savait que la Chambre
n'était pas saisi. Je rappelle, par rapport à ce que je vous ai dit de la procédure, l'accusation le savait, tant mieux que c'est eux qui délimitent le champ du procès dès le départ. C'est eux qui délimitent le champ des charges. C'est eux qui choisissent, qui ensuite donnent, passent le relais. Et c'est parce que la procédure se passe comme ceci que c'est quand même extraordinaire que dans leur mémoire, l'accusation et parfois les parties civiles commencent par lister les accusations et puis notent au détour du chemin que vous avez le pouvoir de requalifier les faits. Mais, comme je viens de le rappeler, vous ne pouvez pas requalifier les faits comme ça. Vous devez déjà mettre, avertir la défense que vous entendez requalifier.